le week-end? Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah bah c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invité, j'aiderai pas. Si tu as une... Ah non. Si tu as une fois, eh ben t'es piégé. Moi un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le pot d'un couvercle d'un pot à cornichon. Oh l'erreur. Bon. L'erreur, c'est à table, on me demande de découper le poulet, je dis... Excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil, ça me donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. Ouais, c'est un coup à te faire mal à la main. Et puis maintenant, déjà bien beau qu'on aille les voir dans leur village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur tour. Et puis moi maintenant, quand je suis invité, je ne fais plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Moi, un jour, j'ai amené des gâteaux. Bon, un quand même, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans le coffret à manger. Ouais. En papier, là. Mmh. Et tout au beurre. Ah bah je sais bien, des petits beurres. Voilà. Ah, vivement le week-end. Oh bah le mieux pour le week-end c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh bah c'est sûr hein, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paie. Bah attends, et puis si y a un incendie ou de la casse, mais tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis, surtout pas aider. Si t'aides, et ben après t'es piégé. Mais surtout pas aider, attends, si tu casses un truc, ça te retombe dessus, après ils abusent, c'est clair. Oh, c'est sûr, hein, moi un jour, j'ai eu le malheur de dévisser un couvercle de pot d'un cornichon. Oh l'erreur. Bon. Mais l'erreur. Et après, ça a pas loupé, dans le jardin, ils m'ont demandé de déplier une chaise. Non, attends, mais il faut se faire respecter dès le départ, attends, moi, assis à table, on me demande de découper le poulet, mais je leur dis direct, excusez-moi, je suis pas cuistot, bim, comme ça, quoi. Pareil, quand il te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. Mais t'as raison, attends, c'est un coup à t'exposer la main, cette connerie, là. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent, leur village de Bouzeux, là. Ils s'emmerdent dans leur trou. Ouais. C'est clair. Et puis moi, maintenant, quand je viens, je fais plus de cadeaux, hein, ce n'est pas apprécié. Oh, t'as raison, ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux, bon, ouais, tu sais, des biscuits, dans le... présenté dans le coffret allongé, là. Ouais. En papier. Ouais. Et tout au beurre. Ah bah oui, il y a petit beurre, je suis oui, con. Oui, voilà. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Bien sûr, t'en profites plus quand c'est pas toi qui paye. Hein. Et puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et oui, et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi, je le dis à mes amis. Je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Quand tu as dit une fois, bah, t'es piégé. Bien sûr, moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvert d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. Bon... L'erreur, c'est à table, on me demande de découper le poulet. Excusez-moi, je suis pas cuistot. Et pareil quand il te donne le tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. Ouais, c'est un coup de te faire mal à la main. Déjà, bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de Bouzeux. Hein. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Pff, c'est pas apprécié. T'as raison. Un jour, j'amène des gâteaux, mais bon, hein, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons, hein. Tu sais, se présenter dans le coffre allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais je sais bien, des petits beurres. Voilà. Tiens, le gros là. Tiens, regarde le maman Shigeri là. Ha ha ha. Et c'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasmon, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutant. Allez, Loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette, t'es prête? Ok. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais, t'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Oh, excusez-moi, Loulou, ouais, je suis nulle. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Allez, regarde. Mate à la béquille. Merde, bien joué ça. T'apprends vite, hein? Comment je t'explique ça? Dis donc, tiens, ça là. Ouais, mais attends, comment t'as fait le coup là? Les points, les deux trucs en même temps. Mais j'arrive à rien, cette manette, elle est chiante, cette manette là. Yes. Ouais, bien évidemment. Comment je t'ai étalé, dis la revanche. Non, attends. Allez. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, moi j'ai mal au pouce, je suis nul. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne et remarque. Ouais, ben... Ah, allez. Regarde, Louison, toujours accrochée à Valentin. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous...
Bah, qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, mais on n'a rien de moins. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Bah, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? On est habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Bah, pff, il juge pas là-dessus, hein, mec. Il est plus intelligent que ça, non? N'empêche que l'autre fois, en boîte, y'en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, celle en velours rouge, ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talons. Ben normal, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Ils venaient pas me parler, ils n'osaient pas, ils étaient impressionnés. Ah ben, faut dire que t'étais impressionnante, hein. Bah, toi, t'en as eu beaucoup, des mecs? Non, mais faut dire que je suis très difficile. Bah, moi, je suis pas difficile. Mais j'en ai pas eu beaucoup non plus. J'ai un truc, moi. Quand j'ai un mec, je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Oui, en fait, il s'intéresse pas à moi. Bonjour, madame. J'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau, s'il vous plaît. Tiens. Bonjour, madame. Pau. C'est ça, Pau, avec un P. Alors, Pau. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Alors, Pau. Oh, je suis pas arrivée, moi. Alors, vous avez départ à la gare d'Austerlitz, 6h57. Arrivée à Pau, 15h23. Ensuite, départ 8h32. Arrivée, 17h46. D'accord, très bien. 18h40, 19h05, c'est un rapide. Oui. 13h20, 21h07. 16h02, 23h03. 18h40, 0h22. Alors, ce train-là, c'est pour Pau? Oui, monsieur, car on m'avait demandé Pau. Et sont-ils directs? Non, monsieur, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. À Strasbourg? Pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur, sinon vous êtes droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes, là, hein? Il y a des vedettes, et marrantes, et c'est pas évident, et sinon, vous avez pas des trains qui partent plutôt que 6h57? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h30 du matin. Très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 du soir. Il arrive à 22h31 du soir? Il arrive pas avant les autres? Non, monsieur, car un changement à Rennes. Et sinon, vous avez pas des trains qui roulent la nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Très bien. Il y en a. Tant mieux, c'est bien. Ils roulent, c'est la nuit. Voilà, voilà. C'est ça. Très bien. Ils roulent. C'est la nuit. Tiens, et tiens. Et tiens, le gros, là. Tiens, regarde ma Oshi guerrier, là. C'est quoi ce jeu, loulou? Frankest One, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, t'es débutante, je suis au 5e niveau, là. Allez, loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ok. Vas-y, choisis ton personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Oh, je suis nulle, désolé, loulou. Ouais, mais c'est moi qui suis bon, c'est tout. Hé, hé, Matameki. Merde. Bien joué, ça. Ah, t'apprends vite, hein. Comment je t'explose, dis donc? Tiens ça là. Ouais, mais attends. Comment t'as fait, là, le coup? Les deux points, les deux trucs en même temps. Attends. Tain de... C'est... Mais j'arrive à rien. Mais c'est cette manette, là. Elles sont chiantes, ces manettes, là. Comment je t'ai étalé, dis? Vas-y, la revanche. Non, attends. Allez, loulou. Non, attends. Ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce. Je suis nul. Allez! C'est peut-être moi qui suis bonne, remarque. Ouais, bah. Hé, allez! Tu vois? Tiens! Et tiens! Tiens le gros là! Tiens, regarde ma Wuxi guerrier là! C'est quoi ce jeu, loulou? Frankest One, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, t'es débutante, je suis au 5e niveau là. Allez, loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ok. Allez, c'est parti, tu vas voir. Choisis ton personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, vas-y. Je
suis nul, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, bah, c'est moi qui suis vent, c'est tout. Hé, hé, regarde, regarde, ma tabéki. Merde. Bien joué, ça. Ah, t'apprends vite, hein. Ah, comment je t'explose, dis donc. Tiens, ça, là. Ouais, mais attends, comment t'as fait, là, le coup? Les deux points, là, les deux trucs, en même temps. Ah ouais? Putain de... C'est... Mais j'arrive à rien! C'est cette manette, là! Elles sont chiantes, ces manettes, là! Yes! Ouais, bah évidemment! Comment je t'ai étalé, dis? Vas-y, la revanche! Non, non, attends. Allez, allez! Attends, non, écoute. Les deux heures que je joue, j'ai mal au pouce, moi, je suis nul. C'est peut-être moi qui suis bonne, hein. Remarque, hein? Ouais, bah... Allez, allez! Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie, il n'a pas faim, toujours à se plaindre. Il n'est jamais content, quel pénible. Ça c'est vrai ça, et tu sais que la Gigi elle est avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule, elle est avec un nous. Elle a un nouveau copain, Jesse qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément il n'a pas de chance. Mais bon après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, il lui avait même donné une gifle. Je m'étonne que ce soit trouvé un nouveau copain. Nous, au moins, nous, on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content, quel pénible. Ça, c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Mais rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Toujours à se plaindre, il n'est jamais content. Quel pénible! Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord! Elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Avec un nouveau copain, Jesse qu'il s'appelle. Pauvre Kevin! Décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'an dernier, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Nous, au moins, on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez les amis qui ont les moyens. Ah ben c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, si un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis un invité, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Quand t'as accepté d'aider une fois, ils abusent. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, l'erreur. Bon, l'erreur. Si à table on me demande de découper le poulet, je dis « Excuse-moi, je ne suis pas cuistot ». Pareil, quand il te donne un tire-bouchon, « Excusez-moi, je connais pas ». T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Moi, un jour, j'aimais des gâteaux. Bon, des bons, ceux qui sont présentés dans des coffrets allongés. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Ah, vivement le week-end.
week-end. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh ben c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis si y a un incendie, t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si t'aides une fois, eh ben t'es piégée. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle de ma peau à cornichons. Oh, l'erreur. Bon. L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je ne connais pas. En plus, c'est un quatuor mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent tous dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein, c'est pas apprécié. Et puis, ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Oui. Non mais ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais ça y est, je sais, des petits beurres. Voilà. Tiens, Roule. Tiens, regarde ma moche guerrier là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moine. C'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au cinquième niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non! Laisse-moi jouer avec toi! Bon, ok. Prends la manette, t'es prête? Ok. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis. Bon, c'est tout. Regarde. Matabeki. Merde, bien joué, ça. Ah, t'apprends vite, hein. Ah, comment je t'explose, dis donc! Tiens ça, là! Ouais, mais attends, comment t'as fait, là, le coup? Les deux points, les deux trucs, en même temps. Ah ouais? T'as de ces... Mais j'arrive à rien, moi. C'est cette manette, là. Elles sont de chance, ces manettes. Yes! Ouais, bah, évidemment. Comment je t'ai dit? Vas-y, la revanche. Ouais, bah... Allez, Loulou! Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre, il n'est jamais content. Quel pénible! Ça, c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule, elle a un nouveau copain, Jessie qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché. Comment ça? Oh, mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi? Je devrais. Rappelle-toi l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle y avait même donné une gifle. Au moins, nous, on est tranquilles. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh ben, c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, si un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invitée, j'adorerai pas. Si t'aides une fois, et ben après, t'es piégée. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'une peau à cornichon. Oh, l'erreur. Bon, l'erreur, si un jour à table, on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je suis pas cuistot. Quand il te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un quatuor mal à la même. Déjà bien beau quand viennent les voir dans leur village bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, tu sais, des bons. Ouais. En papier, tu sais, ceux qui sont dans le coffre allongé. Ouais. Un papier, là. Ouais. Non, mais tout au beurre. Ah, bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah ben, c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, si elle s'en dit, t'en fous, t'étais pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invitée, je n'aiderai pas. Surtout pas aider, c'était une fois, t'es piégée. Moi,
Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. L'erreur, l'erreur. Bon. L'erreur, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuistot. » Pareil quand tu te donnes un tire-bouchon, « Excusez-moi, je connais pas. » T'as raison, et c'est un coup à se faire mal à la main. Déjà bien beau comme il est voir dans le village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Moi un jour, alors moi maintenant, quand j'ai évité, j'ai plus de cadeaux, hein. C'est pas apprécié. Ça sert à rien. Moi un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hey, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais tu sais, des pains, hein, ceux qui sont présentés dans le coffre à langer. Ouais, ouais. Non mais tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais bien, le petit beurre. Voilà. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, hein. C'est pas toi qui paye, hein. Surtout... Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Ouais. Un jour, moi, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichon. Oh, l'erreur. Bon. L'erreur. Si à table, on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je ne connais pas. C'est un coup à s'exposer la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de Bouzeux. C'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, tu sais quand même, des biscuits. Oui. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Oui, des petits au beurre. Mais tout au beurre, hein. Oui. Ah bah bien sûr, hein. Voilà. Tiens, et tiens là, le gros là. Oui, toi, le major chez guerrier, prends ça. C'est quoi ce jeu, Loulou? C'est fracassement, c'est un jeu hyper tactique d'engagement, de confiance et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Bah, faut casser la gueule à l'autre, regarde. Oh, je peux jouer avec toi? Non, écoute, je suis au 5e niveau, t'es débutante, hein. Allez, Loulou. Bon, ok, prends la main. Bon, t'es prête? Ok. Allez, vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille, hein. Ouais, vas-y, prends la fille, hein. Écoute, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, Loulou. Bah ouais, évidemment, c'est moi qui suis bon. Regarde, mande avec qui? Attends, mais c'est quoi ça? Comment t'as fait? Ah ah, comment je t'explose, dis donc. Tiens, ça, là. Non mais attends une minute, comment t'as fait le coup, là? Les deux points, là, les deux trucs en même temps. Ah ouais, ok, je vois. Putain, j'arrive à rien, mais c'est quoi? Mais c'est ces manettes, là, elles sont nulles. Yes. Comment je t'ai explosé, dis. Vas-y, la revanche. Bah non, je crois pas, attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce. Allez. Non, écoute, non. Oh mais s'il te plaît, quoi. Je suis trop bonne, c'est ça. Tiens, le gros là, tiens, regarde, le mawashi guerrier là, ha. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule. Ah, je peux jouer? Non, attends. Allez. C'est 5e niveau, t'es débutante, toi. Bah allez. Bon, ok, vas-y, prends la manette. T'es prête? Vas-y, choisis un personnage. Je prends la fille. Ouais, vas-y, prends la fille, ouais. Attention, c'est parti, vas-y, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Regarde, Matla Becky. Merde. Merde, bien joué, ça. Ah, t'apprends vite, hein? Regarde comment je t'explose là. Ah ouais, mais comment t'as fait le coup là? Les deux points là et les deux trucs en même temps. Ah ouais, attends, mais j'arrive à rien, mais c'est cette manette là, c'est chouette ces manettes là. Yes! Ouais, bah évidemment. Allez, comment je t'ai éclaté là, vas-y, la revanche. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce, moi je suis nulle. Allez! En même temps, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque. Hein. Ouais, bah. Ha ha ha, allez! Tiens, le gros là! Tiens, regarde ma wachi guerrier! C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique! C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi! Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre! Je joue avec toi? Non, attends, t'es débutant, je suis au 5e niveau! Allez! Non! Laisse-moi jouer avec toi! Bon, ok, prends la manette!
T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Tu vas voir. Je suis nul, hein, Loulou. Excuse-moi. Ouais, ouais. C'est moi qui suis bon, c'est tout. Tiens, regarde, regarde. Matelas Peggy. Matelas Peggy. Merde. Bien joué, ça. T'apprends vite, hein. Yes. Mais, tante... Mais j'arrive à rien. C'est de matelas. Ils sont chiants, ces matelas, là. Tiens. Ouais, bah, évidemment, hein. Bonjour monsieur, je voudrais les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur. Bonjour monsieur. Pau. Oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Ah, alors. Bah une Pau avec un P. Pau. Oui, comme ça s'écrit pareil. Pau. Mais je suis pas arrivée moi. Alors, vous avez un départ gare postale 6h57, arrivé à Pau 15h23. Oui. Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h46. Oui. 17h42, 19h05, c'est pas rapide. Mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Mais alors, ce train-là, monsieur, c'est pour Pau? Oui, monsieur, parce que vous m'avez demandé. Bon. Non, il n'y a pas de problème. Oui, ils sont directs? Oui. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Ben oui, sinon on dirait tout droit en Allemagne. Et il y a des vedettes, hein? Des vedettes, il y a des vedettes. Il est marrant. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h57? Monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Très bien. Qui arrive à 22h31 le soir. Il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Mais vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Ben c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, ben c'est le train qui roule quand il fait nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent, c'est la nuit. Tiens, et tiens, tiens le gros là, tiens le maroichi guerrier là. Ah ah ah. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi. Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, Loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, vas-y, prends la manette. T'es prête? Ok. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille. Allez, c'est... prends la fille. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Hé, hé, regarde, regarde, mate la béquille. Comment je t'ai explosé, dis donc. Tiens ça, là. Ouais, mais attends, comment t'as fait ce coup, là? Les deux points, là, les deux trucs en même temps. Ah ouais, thème de C. Mais j'arrive à rien, c'est cette manette là. Elles sont chiantes ces manettes là. Yes! Oui, bah évidemment. Comment je t'ai étalé, dit. Vas-y, la revanche. Non, non, attends. Allez, allez! Attends, non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce. Moi je suis nul. C'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein? Ouais, bah. Allez, allez! Allez, tiens, tiens gros là. Tiens, regarde ma machigare. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh. Je peux jouer avec toi? Attends, non, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, s'il te plaît. Non. Mais laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok. Vas-y, prends la manette. T'es prête? Ouais. Vas-y, un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, ouais, prends la fille. Ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Excuse-moi, Loulou, hein, je suis vraiment pas douée. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Regarde, regarde, mate la béquille, hein. Putain, merde, a bien joué ça. Quoi? T'apprends vite, hein. Ouais. Comment t'as fait ce coup-là, là? Les deux points, là.
les deux trucs en même temps. Ok, ouais. J'avais rien là. C'est ces manettes là, elles sont chiantes. Vas-y, vas-y. Yes, yes. Ah, évidemment. Oh, allez, on fait la revanche. Non, attends. Oh, allez. Non, non, attends, ça fait 2 ans que je joue là, ça... j'ai mal au pouce, je suis nul. Allez, loulou. Ouais, mais non, non, ouais. N'empêche, c'est moi qui suis bonne en fait. Regarde Louison, toujours accroché à Valentin. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça doit pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on n'a rien de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qui nous reproche, les mecs? On est habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence, un mec qui juge pas là-dessus. Il est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche que l'autre fois, en boîte, il n'y en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, celle en velours orange avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Bah évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Les mecs, ils venaient pas me parler, ils n'osaient pas, ils étaient impressionnés. Ah bah faut dire que t'étais impressionnante. Et toi, t'en as eu beaucoup des mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile. J'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Ah. Tiens, tiens, regarde la Mawashi guerrier là. Ah. C'est quoi ce jeu, Loulou? C'est Fracas Moine, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Tu peux jouer avec toi? Non. Allez, Loulou! Non, je suis au 5e niveau, là. Toi, t'es débutante. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, d'accord. Vas-y, prends la manette. Ok. C'est bon, maintenant, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Vas-y, prends la fille, ouais. Allez, c'est parti. Mais je suis nulle, hein, Loulou, excuse-moi. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Allez, regarde, regarde, Matlabeki! Merde, bien joué ça. T'apprends vite, dis donc. Ouais, je t'ai explosé là, dis donc. Ouais, mais comment t'as fait là, le coup là? Les deux trucs là, les deux points en même temps. Putain, j'arrive à rien là, c'est cette manette. Ces manettes là, elles sont chiantes. Yes! Ouais, bah évidemment. La revanche, non. Allez Loulou. Non, ça fait 2 heures que je joue là, j'ai mal au pouce, moi je suis nul. Hein. Finalement, c'est moi qui suis bonne. Hein. Ouais, bah. Regarde Louison, toujours accroché à Valentin. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non. Mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On n'a rien de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qu'il nous reproche, nous, les mecs? On est habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Un mec, il juge pas là-dessus. C'est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche que l'autre fois en boîte, il n'y en a pas un seul qui t'a adressé la parole. Dimanche soir, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, celle en velours orange avec ta chemise à jabot et des chaussures à haut talon. Évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval quoi. Les mecs, ils venaient pas me parler, ils n'osaient pas, ils étaient trop impressionnés. Ah ben faut dire que t'étais impressionnante. Et t'as eu beaucoup de mecs toi? Non, parce que je suis très difficile. Pourtant moi, je suis pas très difficile. J'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc, je lui fais sentir qu'il ne doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi.